Alors sur le marché du travail, il y a de l'offre et de la demande de travail. Côté demande de travail, il y a les employeurs qui cherchent à recruter pour produire. Et parfois, ils vont être limités dans leur recrutement et ne pas réussir à les satisfaire et pas réussir à trouver de personnes pour pourvoir les postes qui sont vacants. C'est dans ces situations qu'on parle de tension. Alors les tensions, elles évoluent forcément en fonction de l'ensemble de l'économie. Mais à la DARES, on est plus centré sur l'analyse structurelle des tensions. Et par exemple, on peut utiliser nos résultats de 2019 ou ceux de 2020 pour comprendre les tensions qui peuvent se jouer et qui peuvent exister en 2021 et dans les années à venir. Parce que dans les métiers dans lesquels on observait en 2019 des tensions, il y a fort à parier que ces tensions-là vont se retrouver, voire même être accentuées et éventuellement freiner la reprise économique dans les années à venir. Les indicateurs de tension qu'on publie, on capte le ressenti des employeurs qui connaissent, eux, les difficultés de recrutement qu'ils éprouvent. Le métier de soudeur apparaît en tension dans nos indicateurs, mais il peut effectivement arriver que des finesses sur le marché du travail ne soient pas perçues par nos outils statistiques qui doivent, pour être robustes, s'appuyer sur des moyennes et parfois ne vont pas aussi finement que ce qu'on aimerait sur la définition d'un métier ou d'une compétence rare. Alors oui, et ça fait partie des éléments d'analyse qu'on présente dans notre publication sur les tensions. Il y a des tensions qui vont être associées à un manque de main-d'œuvre disponible et pour lesquelles on constate un lien formation-emploi fort. Pour les tensions de ce type, des formations devraient permettre de faire diminuer les tensions. Et puis on a un autre type de tensions qui semble moins lié à des questions de formation, mais plus à des questions d'attractivité, que l'attractivité soit une attractivité salariale, une attractivité des conditions de travail ou une attractivité des types d'emplois, des contrats proposés par les employeurs.